Plein de misère, pauvreté, enfants malnutris et femmes toujours nécessiteuses. Avec à l'organisation, le compatriote Mukendimouya Kabeya dit Camille le privilégié. C'était une fête grandiose, une Noël exceptionnelle et riche en couleurs, frisant du jamais vu en Mbujimayi, au Kasaï de l'Est, où l'on a vu tous les enfants habillés aux couleurs du Père Noël. Ce n'est pas fini. Cette si généreuse habitude va ainsi continuer toutes les années, comme pour pratiquer Jacques, chapitre 1er, verset 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à aider les pauvres et les orphelins dans leurs afflictions, à l'endroit des enfants orphelins qui ont mangé comme des princes et des princesses au vu et su du patriarche Jonas Mukamba Kadata Nzemba, l'invité d'honneur et spécial. Cet acte d'amour du prochain doit interpeller ceux qui ont les moyens financiers, mais qui ne pensent pas aux pauvres, orphelins et surtout à aider les autres. Fatima! Fatima! Incroyable mais vrai. Du jamais vu, les fêtes de Noël et Bonne Année célébrées exceptionnellement à Mbujimayi. Plusieurs frères et sœurs kassaïens réunis, venus donner de la joie aux fils et filles orphelins du Kasaï oriental, exceptionnellement à Mbujimayi. Plusieurs frères et sœurs kassaïens réunis, venus donner de la joie aux fils et filles orphelins du Kasaï oriental. Sous l'initiative des mesdames Célestes Mukuna, Pierrette Mbombo, Angèle Chimbombo Mukuna et son excellence Guy Londo de la Fondation Widal, ayant réuni une somme de 100 000 $ américains, somme remise à l'ordre des mutuelles des femmes africaines, MIFA en sigle, pour aider toutes les mamans démunies du Kasaï afin d'entreprendre le petit commerce et d'éradiquer la pauvreté. Madame Céleste Mukuna. Attendez. Fatima. Entrez. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous. Maman, bonjour. Hein. Bonjour. Mettez-vous. Tout le monde là. Bonjour, Julien. Bonjour, le président. Bonjour, ici. Mettez-vous ici. Ok. Tu n'étais pas là, Noël. Toi, tu n'étais pas là. Moi, j'étais là. Ouais. Toi, tu n'étais pas là. Lui, il était là. Ah, bon. Tu as raté, hein. En fait, c'était bien, les enfants se sont bien amusés, ils ont bien... On a passé un très bon Noël avec tout le monde, avec les enfants, on a eu des très beaux images. Bon, si je vous ai fait appeler aujourd'hui, parce que j'avais des produits que je devais vous remettre ce jour-là, mais c'est arrivé en retard à la fête. C'est pour ça que j'avais dit que j'appelle le président. Ce sont des produits pour appliquer... à la peau contre le soleil. Hein? Donc, ce sont des produits qui vont vous protéger contre le soleil. Parce que le soleil abîme la peau. Hein? Vous voyez? Mais, parce que j'avais remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de lunettes. Il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de lunettes. Et alors, ça, c'est juste un échantillon, hein? Un petit lot de produits et les autres vont arriver. Parce qu'on a eu un peu, parce qu'avec le problème de Corona ici, pour que les choses arrivent ici en Europe, c'est un peu difficile. Modèle. Hein? Il y a plusieurs modèles. On a écrit ici After Sun, donc c'est après le soleil. Donc si par exemple tu as été attaqué par le soleil, tu peux appliquer ça. Donc alors, et les autres en jaune ici là, ça c'est pour vraiment, ouais, voilà, appliquer pour vraiment protéger votre peau. En marchant sur le soleil. Mais il y a de petits. Donc tout ce que vous allez voir écrit kid. Donc kid ça veut dire enfant. Hein? Donc c'est tout ce qui est marqué kids. Donc c'est pour les enfants. Donc c'est pour le bébé et donc je crois dans le bébé de 0 à 10 ans. Hein? De 0 à 10 ans. Donc tout ce qui est écrit kid. Donc pour les enfants. Président, je compte sur toi que ces produits arrivent chez les enfants. Ne vous en cas. Parce que je sais le comportement des Congolais. Ah oui. Je connais le comportement des Congolais. On va vous donner ça comme ça et vous prenez ça rien que pour vous et vous ne donnez pas aux autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, on va. Ouais.
Donc je compte sur toi, comme tu es le président, vraiment je compte sur toi et que ces produits arrivent à destination, surtout pour le bébé et pour les enfants. Ça va, bébé. Hein? Que vraiment il faut leur donner et des lunettes et tout ça là. Et je voudrais aussi lancer un appel, papa, pardon. Hein? Je voudrais lancer un appel à tous nos frères et sœurs. Ces produits ici, ça coûte excessivement cher en Europe. Donc, nos frères ici, ils n'ont pas de moyens de s'en procurer. Vraiment, avec le peu de moyens que vous gagnez, si vous pouvez même acheter un seul par personne, vous me l'envoyez pour leur remettre. Parce que ça coûte, je vais vous montrer le prix, regarde, ça coûte 22 euros le produit ici là. Ça coûte 22 euros. Donc, nos frères n'ont pas vraiment de moyens ici au Kassai et en Bujimaï pour s'en procurer. Et si vous pouvez vraiment en acheter, vous, tout ce qui est à l'extérieur, parce que ça se vend en Europe, vous, tout ce que vous regardez bien la marque et tout, donc il y a pour les enfants, et ça coûte, il y a différents prix, hein. Il y a de ceux qui coûtent 22 euros, et comme ça, le after sun, donc après le soleil, ça coûte 15 euros, et il y a les autres modèles qui coûtent 18 euros. Voilà, ça coûte 18 euros. Donc, ce sont des produits qui coûtent vraiment cher. Il y a nos frères ici, ils n'ont pas vraiment le moyen de s'en procurer. Donc, si chacun de vous peut seulement envoyer un produit, donc nous envoyer juste un produit, vous êtes tellement nombreux là-bas en Europe. Alors, vous voyez le nombre que ça peut faire pour essayer un peu d'aider nos frères et sœurs qui sont ici au Kassai. Parce que moi, je suis en train de me battre pour mes frères qui sont ici au Kassai. Si les autres aussi peuvent se battre pour les autres personnes, ça serait aussi quelque chose de merveilleux. Mais moi, je suis en train de me battre pour ceux qui sont ici au Kassai. Et les autres aussi peuvent se battre pour ceux qui sont dans d'autres provinces, à Kinshasa et ailleurs. Donc, voilà, c'est vraiment un message. Appelez-moi au 084 46 79 920. Donc, 00243 84 46 79 920. Et si vous pouvez nous envoyer, si seulement chacun de vous, on est près de 30 millions à l'extérieur. Donc si seulement chacun de vous m'envoyez même un seul produit. Donc vous voyez comment est-ce que nous pouvons vraiment aider nos frères et sœurs qui sont ici pour protéger leur peau. Donc président, voilà les produits sont là. Donc, les autres sont dans le sac ici. Donc vous avez juste appelé. Et des lunettes pour remettre aux enfants. Donc des lunettes pour remettre, parce que le jour de Noël, j'avais vu les enfants, ils avaient des difficultés avec le soleil qu'il y avait. Et des lunettes pour eux. Mes frères et sœurs, même ces lunettes ici, ça ne coûte rien en Europe. Ça ne coûte pas grand chose. Si vraiment vous pouvez acheter ces genres de lunettes ici pour les enfants, ça serait vraiment quelque chose de bien à aider nos frères et sœurs ici au Kassai qui souffrent des albinos. Donc voilà. Bon, président, voilà, vos produits sont là. Le reste, il y a les autres qui sont dans le sac. Et vous allez lire, parce qu'il y en a un qui j'avais vu, on avait écrit, donc ça c'était le plus fort. Il y en a plusieurs modèles. Il y a le spray, il y a la crème, il y a donc plusieurs modèles que vous pouvez prendre pour vous et les autres. Donc essayez de partager petit à petit, donc que tout le monde puisse au moins avoir quelque chose pour. Voilà, donc c'est fini, je devais faire appeler juste pour ça. Ok, c'est quand même une bonne chose. Et nous vous remercions quand même d'avoir cette aimabilité de penser. De nous. Ouais. Ce n'est pas n'importe qui peut faire les actes comme vous venez de les faire. À nos propos, et ça je pense que ça nous montre que vous nous aimez quand même. Ouais. Vous aimez que nos présences soient aussi des présences admirables dans la société. Exactement. Oui, parce que nous sommes des personnes qui sont vraiment attaquées par les rayons ultraviolets. Et nous souffrons trop concernant la peau parce que notre peau a la carence de la mélanine. Maintenant, quand notre peau manque de la mélanine, ça veut dire que si nous marchons sans toutefois avoir ces produits ici, bon, ça veut dire qu'il y a des autres qui trouvent des tumeurs qui provenant à travers des rayons solaires qui entrent à l'intérieur de la peau. Mais avec ça, je vois que non,
même si on marche sur des rayons ultraviolets, on peut quand même avoir une petite protection concernant notre peau. Et je tiens à vous remercier et que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous garde et vous comble de vie et qu'il vous épanouisse et qu'il multiplie les sources des revenus pour qu'à la prochaine, nous pouvons avoir encore des plus. Et je voudrais ajouter, j'ai été aidé aussi par l'honorable Roger Fofana. Donc Roger Fofana qui m'a aidé aussi à ramener toutes ces affaires ici, là, qui est ici. Et je demande vraiment à toute personne qui a un peu de moyens de pouvoir aider nos frères ici. Parce que ces produits coûtent excessivement cher, donc ils n'ont pas de moyens dans nos produits. S'il vous plaît. Donc, je vous demande de venir vraiment ici au Kasaï. Et la Noël que nous avons passée ici, et nous comptons le faire chaque année, revenir ici. Et j'appelle encore à nos frères et soeurs qui sont à l'extérieur de venir nous rejoindre, que nous puissions donner du sourire à ceux qui en manquent. Donc, voilà. Vraiment, je vous remercie, vous. Okay. Merci beaucoup. Okay. Donc, vous pouvez. Voilà. Mais surtout le bébé, il faut vraiment leur donner. Hein. Kids, c'est pour le bébé. C'est un peu normal. Là, Kids, c'est pour le bébé. Ici nos frères Albinos, ici dans ma résidence de Mbujimayi. Donc après la fête de Noël, donc, il y avait des produits que je devais leur remettre. Donc voilà pourquoi je leur avais demandé de venir ici à ma résidence, ici à Mbujimayi. Et je demande encore une fois à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de venir aider nos frères et sœurs qui sont ici à Mbujimayi. Allez, je vous remercie. Vous avez mon numéro, c'est le 084 46 79 920. Appelez s'il vous plaît.